midi, moi présente avec louange. Merci pour tout ce qu'on fait pour moi. Le matin, moi chante la justice. À midi, moi chante grand amour. Avant de dormir, moi chante miséricorde. Ô éternel, prends pitié pour moi. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur de l'Église, tabernacle de la grâce et de Nazaréen, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et tous ceux, toutes celles qui nous écoutent en ce moment. Nous sommes très contents d'entrer chez vous pour partager le verset de l'année avec vous, qui est notre verset. Et franchement, c'est un plaisir et nous bail bon Dieu gloire pour ça. Après toute une année que nous passons, c'est vrai, année 2021, tu as un pile bouleverse, tu as un pile difficulté. Pour certains autres, c'était une année qui était pour tes maladies, mais gagne tout, bon Dieu te fait grâce. Pendant l'année qui pas arrivé hospitalisé ou bien qui pas perdu un membre dans la famille, quoi qu'il arrive, donc dans une situation qui était vraiment bouleversante et surtout une année qui était dominée par coronavirus et partout dans le monde là, c'était une bagaille qui vraiment te bail en pile. Nous capables de qui te permettent en pile sorte de peur la caille en pile monde, mais jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Après toute année ça, nous encore vivants pour nous continuer by bon Dieu gloire, pour nous continuer faire travail Seigneur gens que li mandé ça, m'a encouragé chagrin nan nou pour que nous prenons travail et mettre là plus au sérieux pour nouvelle année ça. Pendant m'a souhaité une année de paix, année de santé, une année de prospérité, une année de succès à chagrin membre l'Église Tabernacle de la Grâce et aussi à chaque membre qui monde qui visite nous ou bien quel que soit monde qui t'a pral gade ou bien tande audio ça n'a content salut dans nos précieux de Jésus-Christ et nous souhaitons une bonne et heureuse année 2022 que année ça capable porter pour bonheur que capable porter pour tout ça ou tu as souhaité gagner pendant nouvelle année ça que ou pas gagner ni dans l'année qui écoulé. Le verset n'a partagé avec c'est Romains 8 verset 1er. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et mot qui est plus fort, qui est essentiel dans verset ça, que nous avons fait point sous lit, c'est maintenant. Et le mot ou bien l'adverbe maintenant li traduit kounya même pendant ma parler ensemble avec oua li dit et pas gagner aucune condamnation. Ça veut dire quel que soit monde qui entre en Christ, à quel que soit et niveau péché ou ta monté, dans quel que soit Jean ou taillé, eh bien, pas gagner condamnation pour vous si que vraiment vous faites la paix ensemble avec Christ, ou prend Christ comme boussole, ou prend Christ comme sauveur
personnel ou pas gagner aucune condamnation pour vous, quel que soit sorti qu'on fait dans le passé, la prêté dans le passé, il suffit que vous faites la paix ensemble avec Christ. So, m'a encouragé ou rester dans bon Dieu, rester dans Christ, prendre bon Dieu comme étant seul boussole et marcher pour faire ça qui bon dans nouvelle année 2022 ça. Comme ça, ou êtes capable de porter la victoire sous péché, sous toute bagaille qui est capable d'empêcher ou la face de Dieu. On a le prier ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci parce que c'est bon Dieu fidèle, ou c'est bon Dieu grand, ou c'est bon Dieu qui toujours là pour porter nous secours dans moment difficile. Seigneur, nous nous merci pour année ça qui t'est écoulé sans aucun malheur, aucune difficulté, pas vraiment attaquer nous, mais où t'es toujours protégé nous, Seigneur. Mais nouvel an ça qui a pour entrer dans en notre prix fait que année ça capable pour nous une année de grâce. Fais nous grâce éternel Dieu, allez bénir chaque grain monde, ça qui malade, ça qui découragé, ça qui gen problème, mando rêve que t'es gagné qui pas de temps accompli dans année 2021 permettre que année 2022 a capable une année de succès pour yo, Seigneur. Nous demandons tout ça qui malade yo va capable guérir yo conseil a toujours connaît c'est la caillou qui gagne guérison. Nous prions non non Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Non moi ce frère Djenal Mengo non non toute la famille Mengo moi souhaiter à famille Pau et à vous même une très bonne et heureuse année 2022. Que Dieu vous bénisse.
péché nous ou te prend pour nous ou rempli pour ça suivre ou te bons amis nous pas j'en la zami tant en nous vivre ensemble. Tonight.